Voici maintenant une jeune comédienne révélée dans la série Les Revenants. Elle s'appelle Jenna Thiam. Elle est à l'affiche du film L'Indompté de Caroline Derua, qui sera en salle mercredi prochain. Cette rousse flamboyante incarne une artiste partie pour un an à la Villa Médicis. Sarah Lasry. Bonjour, je m'appelle Jenna. Je suis comédienne. Révélée en 2012 dans la série Les Revenants, Jenna Thiam enflamme L'Indompté, le premier film de Caroline Deruas, où elle endosse le rôle d'une photographe en résidence à la Villa Médicis à Rome, qui hante mystérieusement les lieux. Tu le tuerais comment ? Rencontre avec une comédienne inspirante qui jongle entre cinéma, théâtre et un mémoire sur le lien entre poésie et politique. Bah, au début, oui, forcément, c'était assez impressionnant, quoi, parce que c'est très, très beau. C'est tellement beau mais qu'on se demande si ça existe, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc très ancien. Ça peut aussi devenir un peu étouffant, quoi, parce que t'es vraiment hors de la réalité. Credo che divento pazza. Ho visto delle cose, delle persone. Fantastico. Jenna Hollands, dans Une femme sous influence. Elle est juste comme ça sur le trottoir et en fait, on a vraiment l'impression que c'est un moment complètement improvisé. Parce qu'elle s'adresse à un piéton qui ne sait pas trop quoi en faire. Je me suis dit, ah ouais, on peut jouer comme ça, quoi. C'est sur un truc de transgression, de frontière très fine entre le réel et pas le réel. Et je lisais un truc de Michaud, un poème qui s'appelle Misérable miracle. Il y a une partie qui s'appelle L'expérience de la folie. Il explique de manière très simple, qu'en fait, la folie, c'est le doute permanent. Et je pense que, voilà, de la peinture, ou enfin, l'art en général, est une réponse à ce gouffre-là, quoi. C'est une œuvre assez passionnante, parce que c'est donc Büchner, l'auteur qui est allemand, l'écrit quand il a 23 ans. C'est une écriture très dense, Et parfois, il y a des éclairs, quoi, c'est ça qui est beau dans la jeunesse, quoi. C'est qu'on se trompe, on se trompe, on se trompe, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on atteint quelque chose. Et je trouve que dans cette pièce, il y a un peu de cette chose-là, quoi. Merci beaucoup, Jenna. De rien.